Arthur Rimbaud vit à une époque où s'imposer en tant que poète après Hugo, Lamartine ou Baudelaire exige de lui de s'engager dans une entreprise de renouvellement de la langue poétique. Dans un poème du même recueil, Soleil et Chair, Rimbaud avait déjà donné une image somme toute assez traditionnelle de la figure de Vénus. Avec Vénus Anadyomène, c'est une toute autre vision de la déesse de l'amour que propose le jeune poète de 16 ans, celle d'une femme. Peut-être même d'une courtisane malade et repoussante. Poème majeur du recueil Cahiers de Douai, il s'appuie sur le thème antique, représenté dans l'Antiquité par le peintre Apelle, ici parodié de la célèbre Vénus sortie des eaux. Anadyomène est un ancien participe grec, un participe présent, d'un verbe signifiant surgir, sortir d'eux. On le retrouve dans l'Iliade d'Homère. Arthur Rimbaud fait donc appel à des topoi artistiques qu'une œuvre picturale majeure a exploité. La naissance de Vénus de Sandro Botticelli en 1485, où Vénus est représentée sortant d'un coquillage, conformément à de nombreuses œuvres de l'Antiquité comme la fresque de la maison dite de Vénus à Pompéi. Cette image traditionnelle est très utilisée en peinture. Or, dans le poème de Rimbaud, une vieille baignoire remplace le coquillage. Le poète a en effet sans doute en tête une référence plus récente, la naissance de Vénus d'Alexandre Cabanel en 1863. Dans ce tableau, Vénus naît de l'écume des eaux qui provenait, selon les mythes anciens, du sperme d'Ouranos, mutilé par son fils Cronos. C'est l'autre représentation la plus répandue de sa naissance. Les couleurs du tableau, peint moins de 10 ans avant l'écriture du poème, sont reprises dans le premier quatrain. L'œuvre rencontra un accueil mitigé, ses principaux détracteurs dénonçant la représentation d'une déesse trop humaine en courtisane lascive. Il s'agit peut-être aussi pour le poète d'une prostituée, mais cette fois rien de gracieux ne se dégage de cette représentation, nous allons le voir. Pour mener cette explication linéaire du poème, nous suivrons les strophes en procédant à un rapprochement. Tout d'abord, la vue d'ensemble de la femme qui sort de la baignoire, strophe 1. Ensuite, une description du corps dégradé de la femme, tout en pudeur, vue de dos, strophes 2 et 3. Enfin, la chute audacieuse de l'évocation du postérieur, dernière strophe. Ainsi, Rimbaud détourne cette figure et le topos de sa naissance pour rejeter le lyrisme traditionnel et proposer une nouvelle esthétique poétique. En effet, Vénus Anadyomène s'inspire du mouvement parnassien, qui prône la poésie du désengagement et de la création pure, tout en le dépassant par son originalité thématique et stylistique. Vénus Anadyomène. Comme d'un cercueil vert en fer blanc, une tête de femme à cheveux bruns fortement pommadés d'une vieille baignoire émerge, lente et bête, avec des déficits assez mal ravaudés. Puis, le col gras et gris, les larges omoplates qui saillent, le dos court qui rentre et qui ressort, puis des rondeurs des reins semblent prendre l'essor, la graisse sous la peau paraît en feuilles plates. L'échine est un peu rouge, et le tout sent un goût horrible étrangement. On remarque surtout des singularités qu'il faut voir à la loupe. Les reins portent deux mots gravés, Clara Venus, et tout ce corps remue et tend sa large croupe belle hideusement d'un ulcère à l'anus. Le premier mouvement nous présente la vue d'ensemble d'une femme qui sort d'une baignoire et qui n'a rien d'une Vénus. Il s'agit bien d'un premier quatrain, d'un sonnet dont on attendrait classiquement qu'il exprimât l'admiration et l'amour éprouvé pour une femme aimée et magnifiée. On pense au célèbre sonnet Galant de Ronsard. De fait, les premiers mots du poème, comme d'un cercueil, peuvent rappeler le premier vers d'un poème de Ronsard, comme un chevreuil dans Les Amours de Cassandre. Les sonorités sont en effet très similaires. Mais on voit d'emblée une volonté parodique de Rimbaud qui reprend un grand poète de la cour, membre de la prestigieuse Pléiade, pour déformer des mots, pour déformer ses mots. De plus, le nom cercueil s'oppose au thème de la naissance de Vénus, car il suggère l'idée de mort. Une vision effroyable remplace incroyablement l'éblouissement esthétique attendu. L'emploi de l'article indéfini une devant tête montre la volonté de désincarner la figure représentée. Les couleurs présentes dans les vers 1 et 2, vert, blanc, brun, peuvent
donc, comme nous l'avons dit en introduction, rappeler le tableau de la naissance de Vénus par Cabanel. Les couleurs, censées désigner la mer et l'écume de manière méliorative, qualifient ici une baignoire usée, sale. L'adjectif épithète péjoratif vieille qualifie ce nom baignoire et confirme d'ailleurs cette lecture péjorative. Ce que le poète veut donner à voir, c'est une femme qui émerge difficilement d'une baignoire. L'analogie produit donc un effet de diminution parodique. La beauté naturelle est en outre remplacée par le caractère artificiel de la mortelle, en témoignent ses cheveux fortement pommadés, rapprochés de ravaudés par une rime croisée et par l'antéposition des adverbes fortement, fortement pommadés et assez mal ravaudés. La femme peine donc à masquer les marques du vieillissement, voire de la maladie. Cependant, même avec tous ces artifices, la femme ne peut cacher sa laideur, comme le montre le groupe nominal prépositionnel, avec des déficits mal ravaudés, là où le lecteur attendrait la mention d'un ou plusieurs attributs divins. L'animalisation caractérise donc la femme décrite, notamment par la rime tête-bête, et achève de brosser un portrait qui n'a rien de vénusien. Sur le plan du rythme, les enjambements entre les vers 1 et 2 et les vers 2 et 3 créent un déséquilibre, une disharmonie à l'image du physique de la femme que Rimbaud présente ici. Deuxième mouvement, la description du corps dégradé de la femme, tout en pudeur, cette fois vue de dos. Et cela se trouve dans les strophes 2 et 3. On commence par remarquer l'adverbe de liaison puis. Cet adverbe qui est repris au vers 7 montre une volonté de décrire la femme de manière très précise en insistant sur les détails dévalorisants. On retrouve l'animalisation. L'énonciateur évoque non pas le cou mais le col de la femme. On pense au col d'un bovin par exemple. On assiste à une sorte de transformation en quadrupède domestiquée de cette prostituée. L'expression larges omoplates qui saillent souligne la masculinité et la maigreur, deux qualités à l'opposé des attributs physiques de la déesse de la beauté. On note l'expression qui saille, la proposition subordonnée relative, qui est rejetée au début du vers 6. De plus, le poète cherche à donner un sentiment désagréable au lecteur, notamment par l'usage des allitérations en gueux sur les monosyllabes gras et gris, qu'on appliquerait volontiers à un animal. Cette allitération émet un son disgracieux, comme l'allitération re, qui parcourt également cette strophe. On note que Rimbaud y associe le parallélisme des propositions subordonnées relatives, le dos court qui rentre et qui ressort. Cela suggère que les mouvements de la femme sont répétitifs, évoquent le mouvement d'un animal, pourquoi pas malade. Pourtant, la maigreur est contredite par la rondeur des reins au vers 7. Ce contraste disharmonieux s'oppose parfaitement à la perfection habituelle de Vénus. On note que la strophe 2 tout entière est donc parcourue par ces sons disgracieux qui consistent à parasiter le portrait pourtant peu flatteur par l'émission de sons désagréables proches d'un râle. La Grèce, nom inapproprié dans les portraits de divinités, remplace les formes parfaites de la Vénus traditionnelle. Au contraire, paradoxalement, elle paraît en feuilles plates, ce qui signifie que cet amas lipidique ne confère aucune rondeur, mais constitue des strates qui semblent s'ajouter au corps de la femme. Le premier tercet apporte une nouvelle couleur au tableau d'ensemble, le rouge, couleur qui vient s'opposer à la blancheur pure avec laquelle est fréquemment représentée Vénus, prend une place très importante. L'adjectif de couleur surprend. On attendrait un terme amélioratif comme vermeil ou rubis. Ici, l'échine est un peu rouge. Cette image Boucher suggère une fois de plus que la colonne est saillante, au point que la maigreur de la femme décrite apparaît comme maladive. On note de nouveau l'emploi de l'adverbe un peu, qui met en valeur le défaut chromatique, ainsi qu'une reprise de sonorité, assonance en ou, qui traverse le tercet. Dans cette strophe, le poète mobilise plusieurs sens du lecteur pour mieux montrer l'aspect déplaisant de la femme décrite. On trouve l'odorat avec sang, le goût avec goût et la vue avec voir, et dans l'expression familière à la loupe.
Le lecteur a donc affaire à une synesthésie, un rassemblement, une confusion des sens détournée, dans laquelle le poète sature sa description de détails afin de confronter le lecteur à la laideur de la femme considérée dans son ensemble. On le remarque avec l'expression le tout. L'oxymore, mis en relief par le rejet, horrible étrangement, donne un nouveau sens à la laideur. Le goût est horrible, mais suscite la curiosité du poète. Il faut donc voir ici une sorte de beauté du laid, du mal, qui attire Rimbaud. On peut rapprocher cela de sa volonté de combattre la poésie traditionnelle et son éloge de la beauté. En cela, cet éloge paradoxal le rapproche de ses aînés, Hugo, qui a écrit J'aime l'araignée, j'aime l'ortie dans Les Contemplations, ou Baudelaire, qui a composé Une charogne dans Les fleurs du mal. Se poursuivent dans cette strophe les jeux d'enjambement qui disloquent le rythme traditionnel. Ces enjambements continuent de mimer l'ondulation disgracieuse et interminable d'une femme qui n'a rien d'une déesse. Au vers 10 et 11, Rimbaud s'éloigne du lyrisme traditionnel dans lequel le jeu et les sentiments personnels sont exacerbés. Ici, c'est le pronom impersonnel « on » qui remplace le jeu et les sentiments personnels sont absents au profit de l'objet décrit. En outre, la dernière remarque est énoncée par la construction impersonnelle « il faut ». En cela, le poème se rapproche de l'esthétique parnassienne que Rimbaud recherche dans ses plus jeunes années. Le lecteur, intrigué par cet effet d'attente, marqué également par les points de suspension, anticipe la pointe finale du sonnet, le concerto. Sera-ce un charmant détail ou au contraire un ultime défaut? Nous arrivons à la chute audacieuse, cette fin de sonnet qui n'est pas sans comporter une pointe. Donc, dans la dernière strophe, nous observons une chute dans les deux sens du terme. La surprise est la fin du mouvement descendant, contre-intuitif dans le cas d'une Vénus sortant des eaux. Trois vers marqués par une accélération. Nous passons des reins au vers 12 à la croupe vers 13 puis à l'anus au vers 14. Comme souvent dans les sonnets, le dernier tercet offre une chute. Elle est ici double. D'une part, la femme semble porter en tatouage un nom latin qui évoque celui d'une courtisane. Les reins portent deux mots gravés, Clara Venus, illustre Vénus en latin. Clara Venus représente par sa position sur le corps de la femme la vulgarité. Il est placé sur ses reins. Cela contraste avec sa mise en valeur dans le vers 12 en dernière position et avec la référence littéraire au premier vers d'un sonnet de Louise L'Abbé, Claire Vénus qui erre par les cieux, célèbre Vénus, illustre Vénus qui erre parmi les cieux. Cette désignation infamante amorce une rime qui permet à Rimbaud de clore le poème en rompant définitivement avec l'esthétique traditionnelle. La trivialité s'oppose ici à l'emphase avec laquelle le thème de Vénus Anadyomène est habituellement traité. Au vers 13, le groupe nominal Tout ce corps déshumanise la femme. On retrouve l'indéfini tout. Elle n'est plus qu'un corps qui, plus est, repoussé par le démonstratif ce. Il est présenté comme un objet de dégoût presque inqualifiable. La posture ostentatoire de la femme qui montre son derrière est suggérée par l'emploi du verbe tendre dans l'expression tend sa large croupe. Elle présente donc un postérieur dont la vision n'est pas agréable. La métaphore large croupe animalise une fois de plus la femme et ironise sur la laideur de son arrière-train comparée à celui d'un cheval. Le dernier vers s'ouvre par un tiret long qui semble annoncer la surprise au lecteur et un nouvel oxymore qui rappelle le précédent, belle hideusement. Rimbaud fait ici encore une fois l'éloge de la beauté, du laid et s'éloigne des canons de l'esthétique poétique. L'inversion met par ailleurs en relief l'adjectif belle. D'ailleurs, l'assonance en est dans ce vers crée un rapprochement de deux mots accentués, belle et ulcère. On sent donc la volonté du poète d'ajouter à la laideur d'ensemble l'impression d'un sincère intérêt. La pointe du sonnet achève le processus de dégradation. L'ulcère à l'anus ferme trivialement le sonnet en soulignant implicitement les conditions de vie et d'hygiène déplorables de cette prostituée. Pour conclure, nous avons pu voir que Rimbaud développe ici une parodie du topos de Vénus sorti des eaux. En se moquant des critères de beauté traditionnelle et du lyrisme poétique, le jeune poète se range du côté des Parnassiens tout en laissant déjà entrevoir la révolution du langage qu'il prépare. Ainsi, en faisant le portrait vénusien d'une femme laide et malade, Rimbaud se moque de la tradition artistique et rejette le lyrisme convenu.
Le jeune poète commence à 16 ans sa révolution poétique avec ce poème amusant et irrévérencieux. On peut presque y lire un art poétique en cela qu'il propose une nouvelle vision du beau et de la création. En outre, Rimbaud livre ici une forme d'alchimie poétique. Comme Baudelaire, dans son recueil Les fleurs du mal avec des poèmes tels que Une charogne, il se propose de dépasser pour la sublimer la laideur et de transformer la boue en or. Nous pouvons également rapprocher ce poème d'Ophélie du recueil Cahiers de Douai de Rimbaud, qui partage avec lui la double thématique de l'eau et de la femme dans une approche renouvelée des grâces féminines.